Bonjour à tous, bienvenue sur Palon.org. Alors nous sommes au mois d'août et donc là je viens de finaliser la partie de tunnel dont je vous ai fait la petite histoire là depuis maintenant un mois et demi. Voilà, donc je viens de lui mettre la fougère, donc je viens de lui mettre sa robe de camouflage et maintenant l'avenue des artilleurs commence à retrouver fière allure et j'espère que ça nous rendra bon service et loyaux services courant de cette année. Voilà. Donc intérieurement, avec les paravents qui ont été réutilisés. Donc, vous voyez, c'est assez large. Une fois fini, c'est quand même autre chose. Voilà. Alors, petite chose, là, vous voyez, j'ai des piquets d'acacia qui commencent à pousser. Je les laisse pousser. Parce que s'ils peuvent s'ancrer avec des racines, ben c'est pas plus mal, voilà, et ça leur permettra d'éviter de pourrir. Voilà, donc là, il y a suffisamment de lumière pour pouvoir passer à l'intérieur et que ce soit correct. Voilà, donc ça, c'est pour cette année, c'est une réussite. Bien sûr, l'an prochain, il y aura forcément d'autres tunnels à faire. J'en ai prévu qui a à peu près la même longueur à refaire. Mais voilà. Donc voilà comment c'est fini. Il me restera quand même une chose importante à faire, les trous pour le tir et pour la vision rapide. Mais voyez le plastique d'ensilage que vous avez de chaque côté. Voilà, fait à peu près 1,50 m de large et couvre bien toute l'armature bois, ce qui protégera bien le bois de l'humidité. Voilà. Donc maintenant, il y a d'autres travaux à la palombière et je vais vous les montrer. À très bientôt.